Cette année-là, trois caravelles rencontrent un continent. S'effondre le dernier royaume islamique d'Europe. Les juifs sont expulsés d'Espagne. Un Borgia est élu pape. Meurt Laurent le Magnifique. Piero della Francesca, Casimir V, roi de Pologne. Alibert, roi du Songhai, la Bretagne devient française, la Bourgogne disparaît, l'Angleterre au continent se tournera vers les colonies, débarque en Europe le chocolat, le tabac, le maïs, la pomme de terre. En Amérique arrive la roue, le cheval et la variole. Martin Benaïm construit à Nuremberg la première sphère terrestre. À Ferrare, le premier plan d'urbanisme. On émet à Gênes la première lyre. Le professeur Antonio Negrira fait paraître Salamanque, la première grammaire en langue vulgaire. À Genève apparaît la syphilis. Au Vatican, on tombe peut-être la première transfusion sanguine. En Italie, on imprime pour la première fois le traité d'harmonie musicale de Boès. À Mayence, Middelburg prophétise la réforme et annonce Luther. En Espagne, on représente la première pièce de théâtre sur une pièce fermée.